Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Le pauvre mort de froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël, les gars. Ah ouais. Ouais. Je dois rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Daniels, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai des munitions, les gars. Eh, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tu nous as apporté quoi? Du chocolat? Des chaussettes sèches? Merde! Des boches sur la colline, à 12 heures! Enrayez! Daniels, bute-les! Cherchez-en d'autres.
Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement. Davis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je pensais pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer... Les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les pilotes savent plus où donner de la tête. Pourquoi est là avec du ravitaillement? Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au... Ouais, en espérant qu'il reste un pont. Avant l'attaque. Allez, on doit retrouver Pearson. Tous avec moi. Par ici. Plein des Boches arrivent, ils ont franchi nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Vous pouvez pas nous demander de tirer avec lui. T'es du Queens, c'est pas nouveau. Ah, si tu le dis. Hé, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge, et vite. Passez devant. C'est le monde à l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé, hey, fais ton boulot. Près de la lisière des arbres. Je la tiens. Elle est amochée. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. Facile à dire pour toi. Boche, on approche. À moi. Merde. Merde. On va te faire dégonner. On tire dessus!
ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA. Remettre ça. À 6 heures.
Arme gauche bloquée, on perd de l'altitude. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. On dégage de là, allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! On sera plus! Allez! Ils sont derrière nous! Les renforts aériens sont en route.
Tu vas t'en tirer. J'ai pas été assez rapide! Par ici! On approche! Surveillez cette lisière! Restez sur vos gardes! Les Boches vont revenir! Donne-moi
pas bien. Mes oreilles ont bien explosé. J'en plus, maman. Parce que je suis assis dessus. Oh, tant mieux. J'ai une question qui parle. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment de moi. Il y aura sûrement une médaille pour ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses boches au traitement. Oui, c'est les mangues, toi. Hé. Hey, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le...